dire dans l'univers politique là et yo montrer ou regarder ou prendre en compte même l'on prend le cas de Macron en France ou que qu'on passe dans l'univers politique Joe Biden son mec qui font pas quel temps et comme sénateur ça veut dire et monsieur Devine monsieur non seulement ils font pas quel temps comme sénateur puis en plus monsieur Devine vice président pendant deux mandats et monsieur vice-président et l'autre de son monde qui était sénateur et monsieur était président commission internationale commission affaires étrangères donc ça veut dire qu'on connaît qui force parce que les États-Unis sont en pire lié au compte qui ça le représenter dans le monde donc ce qui veut dire que Jodia s'arriver avec les États-Unis c'est d'avoir fait l'expérience avec un homme qui n'avait pas d'expérience politique, qui n'avait pas d'expérience de pouvoir, je dis à eux, décider d'aller retrouver un homme expérimenté. Ça a montré que nous, les Haïtiens, je dis à, il faut que nous tirions le son de ça. Quitte de monde, quoi, pas le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est pas une plaisanterie. Dirige un pays, c'est pas une blague. En Haïti, on a l'impression que mon yo pour eux-mêmes, ils pensaient que. Parce que émotion, comme nous sommes peuple très émotionnel, ok, ça veut dire que la rationalité n'est presque pas existée là, carrément. Non, parce que rationalité, c'est que pour rationnel, c'est que faut qu'on capable qu'on s'y atteigne. C'est la science. C'est pour dire rationalité ou la science d'abord. Oui, il faut qu'on ait une distance par rapport à l'émotion. C'est comme si vous mettez l'émotion au campé et puis vous prenez mon nom, mettez les doigts, évaluer en fonction de réalité. Dans mon société haïtienne, avec autant de misère, autant de nos pays le plus inégalitaire qui gagnait, là, c'est deux pays, ça, que nous gagnons. Et en plus, nous ces pays qui plus sont parmi les pays les plus inégalitaires au monde. Soit mettre on est président, ou mettre on est ministre, ou pas qu'à analyser les critères, ça. Soit vous, on est dans le Sénat, ou pas qu'à analyser les critères, ça, dans la Chambre des députés, ou pas qu'à analyser tous les critères, ça, qui sont des critères qui m'ont dit non seulement de l'expérience, qui m'ont dit patriotisme, qui m'ont dit humanisme, ou ça me dit là. Donc, il faut que je dise, je pense que m'a quitté nous là-dessus, faut que je dise à peu près ici, on comprenne ce qui passe aux États-Unis. On a fait le choix de l'expérience et on a rendu compte que malgré le résultat économique satisfaisant de Donald Trump, mais qu'on ensemble d'autres facteurs que on a rendu compte que M. Tegui est trop faiblesse là-dedans. Dont la gestion jugée désastreuse du coronavirus. Il n'aime pas les deux coronavirus, ça rappelle ou bien samedi et qui bouge des bras, le respect de la vie, ce que nous pas gagné en Haïti. Ça n'a pas gagné en Haïti. Et je dis à si on est quoi regarder la gestion de nos autorités, ils n'ont pas prouvé aucunement que c'est des mondes qui respectaient la vie. En ce sens, la population, et nous, bon, sur ces crimes-là, on dit que nous sommes un peuple de poltrons. Ça veut dire que nous pas, nous c'est des lâches. Parce que je dis à part Haïti, on parle de pays sérieux qui n'est des mondes qui ont réfléchi, qui va l'accepter pour dire que je dis à, ou accepter condition ça. Non. Il est inacceptable à tous les points de vue. Et ça, pas une question de parce que c'est ça, mais même des gens qui ont pile nec dans le pouvoir qui s'en même. Mais les gens qui n'ont pas d'accord avec, c'est pas ça. C'est parce que position humanisme hein, fait que je ne suis pas capable de s'en mettre, mais je ne suis pas capable de boire. Donc là-dessus, c'est information ça comme d'abord, Mounio. Donc le donc, cas, il est élu à les États-Unis. S'appelle Joe Biden. S'appelle Joe Biden. Il est élu à 284 grands électeurs. Il lui fallait 270. Mais ça arrive tout, c'est parce que qu'on a gagné d'autres comtés qui en dépouillement, par exemple, on gagne Georgie, on gagne Nevada, on gagne la Floride, et on gagne. Iowa. Donc ça veut dire que pour le moment, Joe Biden et Donald Trump a mené en Floride et en. Comment il mène Joe Biden est déjà président. Oui, donc il est pour 273. Biden est pour finir pour passer à 306 parce que lui, il y a 49,5%. Ça crée des. Il a mené en Georgie, il a mené en Nevada et il a mené en Arizona. Alors, tu veux dire, comment là, c'est le droit. Alors, voilà, première vice-présidente, femme noire. Femme noire. Non seulement femme, mais noire. Absolument. C'est son double. Que les